retrouve pour une preview du jeu Planet Alpha sur Steam. Merci à la Team 17 de nous avoir fourni le code pour pouvoir tester ce jeu en avant-première et voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, le personnage a l'air mal en point. Donc, pour le moment, je ne peux faire que deux déplacements, gauche-droite. Elle n'a vraiment pas l'air en forme. Hein. Une chute. On est toujours sur deux mêmes déplacements. C'est une scène de prologue. La musique est belle en tout cas. Ah, on a complètement changé d'environnement. On dirait des œufs d'aliens géants. Pour ceux qui connaissent les films. Il est toujours aussi mal en point, pauvre. Mais va-t-il arriver où il veut? Ah ah! Je ne sais pas si vous voyez en haut, au sommet là, d'une espèce de grosse masse rocheuse, on voit une petite silhouette. Alors, maintenant, on peut sauter. Se baisser. Environnement là. Avatar. En tout cas, c'est magnifique. Hein. C'est inspiré du film Avatar, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que c'est ici?
peux interagir avec la grosse pierre là. Ok. Ça me permet de monter. Donc on se déplace latéralement. On peut descendre et monter. Oh, une belle glissade. D'accord, j'avais pas anticipé celle-là. Ah, zut, pas ramassé parce qu'elle a plu. Faire attendre que ça se déplace un peu, ça. Voilà, c'est ça. La musique nous signale qu'on est dans un environnement qui va peut-être être un petit peu plus hostile. C'est fini la balade. Hein. Bon, on va se méfier. Regarder en arrière. C'est juste où ça passe. Ici. Ah, par ici, c'est pas toujours évident de repérer la zone où on peut passer, en fait. Zone différente, effectivement. Qu'est-ce que ça va nous donner ça? Ici, on fait. Ici, on fait. I. Bon, a priori, le but c'est quand même de les descendre, je pense, si on veut passer. Le temps passe plus vite, apparemment. On alterne jour nuit. Ça aura un sens plus tard. Une raison. En fait, c'est un peu une fuite en avant pour l'instant, mais on aura presque envie de se poser et de regarder le paysage. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ici? Non, son pied. On peut pas aller par là. On va devoir interagir avec ça. Je voulais pas faire ça. On y retourne. Cette fois, je vais essayer d'anticiper un peu plus. Tenir compte de mon matériel qui n'est pas forcément super adapté.
profil. Alors attention, pousse-moi ici aussi. C'est pas de son place. Pouvoir déplacer des gros blocs comme ça. Pas aller plus loin. D'accord. Défiance. Ah zut, on va faire courir. On a du mal à gérer les distances pour sauter. On saute trop loin ou du coup on ne saute pas. On va nous déclencher quelque chose. Est-ce que ça fait quelque chose avec l'environnement? Des sphères. Ah d'accord, les sphères se sont déplacées. Je vois rien de spécial. On ne peut pas aller plus loin. Il va y avoir quelque chose à faire avec ça, mais peut-être qu'on va chercher. On va juste revenir en arrière. Peut-être c'est une question de rapidité.
Écoutez, je vois pas. On va s'arrêter là pour le moment. J'ai donné une première approche du jeu, c'est parfait. Impeccable. J'ai hâte de faire la suite. Merci encore à Team 17. Merci d'avoir regardé.